Bonjour, je voulais vous présenter deux romans qui marchent avec des ados qui n'aiment pas forcément lire, qui peuvent passer de Chérub, donc du polar un peu difficile, un peu trash, hein, c'est moins qu'on puisse dire, à des romans plus grand public. Il y en a un qui m'a fait craquer, qui est à la base un roman de rentrée pour adultes, très dans la série Téléfilm de France 2, Anna Galvada, mais qui est très bien écrit. Et puis on critique ce genre de bouquin, mais on a plaisir à lire, le vocabulaire n'est pas soutenu, donc c'est un niveau CM2, un bon CM2 peut le lire. Et c'est pas cucu, ça se passe bien et ça fait aussi du bien. Donc c'est l'histoire de Virginie Grimaldi, Il nous restera ça, c'est chez Fayard à 19,90. Donc pareil sur le prix, quand il y a des ados qui veulent pas acheter le bouquin, c'est un vaste débat toujours plus compliqué. Mais quand ils ont des baskets à 150 euros, ils peuvent aussi acheter des livres, enfin, moi je trouve. Mais c'est l'histoire d'une vieille dame qui vient de perdre son mari et qui est complètement affectée, en plus qui est manipulée par un médium à qui elle donne 200 euros la séance. Et elle s'en sort pas financièrement, elle va tous les jours au cimetière, elle est vraiment dans ce deuil qui est très frais, on devine qu'elle a pas eu d'enfant, elle a eu une relation très fusionnelle avec son mari. Donc elle se retrouve à se dire, bah, je vais essayer de trouver une colocation parce qu'elle a deux chambres vides chez elle. Et donc elle va prendre deux jeunes suite à une sortie à la boulangerie, un jeune apprenti, Théo, qui sort de foyer, qui a eu une mère alcoolique et qui est apprenti pâtissier et qui adore ce qu'il fait, mais qui est quelqu'un d'assez dur, d'assez fragile de par ce qu'il a vécu. C'est un personnage qui est très attachant, qui a du mal à se canaliser. Et Iris, on comprend que c'est une ex-kiné qui vient de sortir d'une relation hyper dure avec son ex et qui est enceinte et qui est complètement, qui a plus aucune confiance en elle et qui se retrouve être soignante à mi-temps, donc qui s'en sort pas financièrement. Donc ils sont très heureux d'avoir cette aubaine, d'avoir cette chambre dans Paris à 200 euros. Hein, c'est un peu, à mon avis, 200 euros de chambre à Paris, c'est idyllique. Donc ils se retrouvent tous les trois très différents, donc il y a beaucoup de choses sur le langage parce qu'ils n'ont pas la même façon de parler. Théo a des expressions assez dures que la vieille dame ne comprend pas. Donc elle joue beaucoup, son écriture est très cinématographique et elle joue beaucoup avec les mots. Par exemple, à un moment, Iris dit à Théo qu'il est aussi désagréable qu'un frottis, donc c'est très drôle. Et jouer avec les mots, c'est aussi aimer les mots. Donc ils sont tous les trois avec un phénomène d'emprise. Par exemple, Théo, il essaie de trouver l'amour sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément... Le bon plan, il se rend compte que la vraie vie, même à la boulangerie, ça reste encore mieux. Et il essaie de se sortir de cette colère qu'il ressent de par l'enfance qu'il a eue. Jeanne va essayer d'évoluer face à son chagrin, puis comprendre qu'aller voir un médium qui la berne, c'est pas la même chose. Et Iris va essayer de retrouver confiance en elle en sortant de cette emprise. Iris, elle cherche à trouver l'anonymat. Et effectivement, l'anonymat au temps des réseaux sociaux, ça devient très dur. Donc c'est un très bon roman, bien écrit. Dans l'esprit où ça se passe bien et ça fait du bien, et même moi qui disais oh, c'est un peu peut-être trop grand public, en fait on a envie de savoir ce qui arrive et ça fait du bien de lire un roman où il n'y a pas une vieille dame qui se fait couper en morceaux, c'est pas mal. Et ça marche avec des ados qui ne sont pas très grands lecteurs. Un peu plus complexe, je dirais, à partir de la quatrième, mais on a des bonnes surprises. Le choix de Rudy de Françoise Dargent, il est chez Hachette à 15,90, c'est sur la vie, l'enfance et l'adolescence de Rudolf Nouraïev. Donc c'est bien de commencer en montrant une vidéo de Rudolf Nouraïev sur scène, c'est juste incroyable. En plus, il est d'une beauté, il était tatar, il était magnifique. Et ça parle du harcèlement, parce que forcément, donc bloc communiste, il a connu la pauvreté, ses parents étaient ouvriers, très pauvres. Il avait une petite sœur qui était sourde et muette, donc c'est fictif, mais ça parle, c'est extrêmement bien documenté sur sa vie. Donc il prenait des cours de danse en cachette de son père, donc il s'est vraiment construit tout seul, parce que son père avait pas envie qu'il soit danseur. Avec acharnement, il a beaucoup travaillé. Il y a une vieille dame qui a pu le voir sur scène à Moscou. Il a pu revenir deux fois sur le bloc communiste. Quand elle avait 100 ans, elle avait une loge pour elle. Tout comme il a pu revoir sa mère, parce qu'il est parti à 23 ans à Paris. Et il a pu revoir sa mère, mais sa mère avait perdu la mémoire, donc elle ne l'a pas reconnue. Donc il n'a pas dû avoir une vie facile. Et ça parle pas mal de harcèlement et de la pauvreté sous le bloc communiste. Donc c'est l'occasion de parler de ce qu'était la guerre froide. Et donc il aimait plus ses garçons que ses filles, donc il en a bien bavé avec ses petits camarades qui n'étaient pas d'une grande finesse, et avec sa vie de famille où son père ne voulait pas l'aider pour qu'il soit danseur. Donc il s'est fait tout seul, c'est un très beau portrait, très bien rendu, qui permet de parler de la pauvreté du bloc communiste et de la guerre froide. Donc Le choix de Rudy de Françoise Dargent chez Hachette Roman, et dans un style plus grand public, un peu frais, mais très bien, bien écrit, Virginie Grimaldi, Il nous restera ça chez Fayard. À bientôt et bonne lecture, et on lit et on ne dit jamais à une enseignante j'ai aimé ce livre parce qu'il est court, parce que ça fait de la peine. À bientôt.